Salut à tous et bienvenue pour la suite du deuxième édition du Gladiator. Pour les cinquièmes rencontres entre Manlolo et Shinryusor, les deux joueurs vont utiliser le T-Hawk. Un petit match miroir dans ce tournoi. Le pied fort déjà pour Shinryu qui est passé. Il va pouvoir mettre la pression sur Manlolo. Voilà le point fort. Tomahawk Buster et il met un dash. Il met la pression de Tomahawk Buster. La réponse là de Manlolo. Le pied fort qui est passé. Pendant les deux joueurs s'observent un tout petit peu. Le Tomahawk, le point léger qui passe, le prochain point fort, Tomahawk Buster. Et le Condor Dive qui termine ce round. C'est allé à fond, vitesse grand V pour Shinryusor qui remporte son premier round. Il est toujours invaincu dans le tournoi actuellement. Il a pris à chaque match les 3 points. Bien joué le cross-up. Et le Tomahawk Buster derrière, la focus pour absorber. Et le Mexican Typhoon. Il me dédache le Condor Spire en ex. Il passe de l'autre côté. Le Tomahawk Buster qui vient le casser. Un autre Tomahawk Buster en ex. Quasiment égalité au niveau de la vie. Ah, il aurait pu punir Manolo. Et il ne l'a pas fait. Le Condor Spire en ex. Et il avance. Le point fort. Le Tomahawk Buster qui passe. Un autre du côté de Shinryu. Mais en ex celui-ci. Il gratte, ah il n'a pas puni. Et c'est le Mexican Typhoon qui passe. Manolo finit pas ses actions. Et le Condor Dive qui termine en cross-up. C'est dommage parce que Manolo avait 2-3 opportunités qu'il aurait pu saisir. Ça en a profité pour Shinryu qui remporte donc ce round. C'est parti pour le troisième round qui va très très vite pour le moment. Le cross-up qui passe. Le point léger, le Condor Dive. Il met la pression, bien joué ça, le Tomahawk Buster à la retombée, le pied fort. Les petits dash, le Tomahawk Buster à la retombée, la balayette. Le Tomahawk Buster, le Tomahawk Buster en Exondor Divex pour s'éloigner, c'est bien joué, pour se mettre safe. Bien joué ça, le point léger. Il passe de l'autre côté, ah puni, voilà le Condor Dive en ex, il met la pression, Tomahawk Buster, c'est allé très très vite ce match. Match expéditif pour Shinryu. Manolo n'a pas réussi à gérer ce match-up face à Shinryu. Et voilà donc 15 points pour Shinryu. Le classement général donc 15 points pour Shinryu, 14 points pour Crystal, 13 points pour Pierre, 13 points pour Koref et 9 points pour Baboul. Voilà qui conclut cette rencontre. Merci à tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Et que l'esprit des combos soit avec vous.